biche. Oh, c'était mignon. C'est effectivement un vrai tracteur. Un petit peu les longs. Hop. Et voilà, magnifique. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va, ça va. Je suis en pleine forme. Je suis partie pour la première sortie avec la 600 XT. Et ça fait plaisir. Mais vraiment, ça fait plaisir, plaisir, plaisir. Pourquoi ça fait plaisir? Parce que je l'ai sortie deux fois depuis que je l'ai. Et sur ces deux fois, eh ben, j'ai eu deux pannes. Voilà. Donc, bon, première sortie avec la moto, première panne d'essence, nickel. Oh bah ça commence bien. La sortie aura été de courte durée. Il y a un problème de batterie qu'il faut que je change, ça c'est sûr, donc je pense que c'est ça le gros problème. Tout fonctionne très bien, donc le plein a été fait hier. Ben voilà, grosso modo où on en est, et c'est extrêmement perturbant de rouler avec une moto qui fait un bruit de tracteur. Mon tracteur d'il y a 30 ans, voilà, grosso modo, c'est un bon tracteur. Vous l'avez vu, il y a juste un compteur de vitesse, il n'y a absolument pas de contour, il n'y a pas de jauge d'essence. Le démarrage se fait encore avec un starter qu'on sort sur le côté. C'est à l'ancienne quoi, tout simplement. Mais pour une mamie de 30 ans, elle roule plutôt très très bien. Donc je suis vraiment curieuse. Ah ouais, mais en plus c'est vrai que je peux même pas vous dire combien il fait, il n'y a pas d'indicateur de température. Alors je peux juste vous dire en termes d'indication de température qu'il fait très chaud. Voilà. Rien de plus si ce n'est aussi que cette moto fait énormément de bruit. Elle vibre pas mal, mais honnêtement, je m'attendais à tellement pire pour un gros mono. J'avais vu que, bah, enfin j'avais lu, hein, parce que j'ai jamais essayé de mono, j'avais lu que ça vibrait beaucoup, et bah, la seule référence d'une moto qui vibre énormément que j'avais en expérience et de tête, c'était la Ducati Super Sport S, qui elle pour le coup, ouais ça vibre, ouais effectivement Ducati ça vibre. En tout cas, cette moto, eh ben, on va apprendre à la découvrir ensemble aujourd'hui, on va kiffer tout ça, on va rouler différemment, c'est aussi pour ça que j'ai acheté cette moto. C'est pour découvrir la région et puis d'autres régions différemment qu'avec la MT. Donc voilà, c'est parti. Aujourd'hui, premier tour de roue. Et on fera un petit bilan, fin de sortie. Comme vous l'aurez vu dans la vidéo explicative de pourquoi cette moto, des choses à venir, etc. Le but est de la garder la plus d'origine possible. Et de la remettre aussi la plus d'origine possible, c'est-à-dire qu'à l'arrière j'ai des clignots qui sont pas d'origine. L'ancien proprio a une voiture qui a fait marche arrière sur cette belle moto. Pourtant elle est assez grande donc on devrait la voir. De rétro d'origine. Parce que là, il n'y a rien là. Je préférerais même ne rien avoir. Bon, ça lui donne un petit cachet. Et les pare-mains aussi. J'ai pas les pare-mains. Enfin j'ai pas plein de choses, mais bientôt il y aura. Et parti. C'est super sympa. Ah, j'aime cette moto. Bon les amis, je suis très concentrée pour essayer de comprendre la moto, à quel moment passer les vitesses puisque tout se fait au bruit, comment appréhender la route, etc. Parce que c'est pas du tout pareil qu'avec la MT. Alors les routes, les positionnements, c'est les mêmes, mais la façon de se positionner sur la moto, là je fais juste ça, elle bouge beaucoup plus que la MT, donc forcément
ça demande plus d'adaptation, mais commence à être pas mal du tout. Ah, la grâce est. Eh oui, hein. Plaquette avant et arrière toute neuve. Si c'est pas beau ça, toute belle, toute neuve. Oh là là, ça me va trop bien. C'est totalement narcissique ce que je viens de dire, mais je m'en fous. Ah, je kiffe cette moto. C'était totalement et absolument narcissique. Nous allons faire plusieurs kilomètres sur une petite route. Quelque chose d'assez sympa. Oh, de très sympa même. Ah, je kiffe. Ah, c'est excellent. J'adore. J'adore. Je suis fan. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Alors le plan là dans ma tête, il était incroyable. Je sais pas ce que ça va rendre à la GoPro, mais alors j'ai absolument et complètement kiffé. Oh, oh là là. Oh, le vieux bruit de la moto, le point de vue, le virage super smooth. Oh, c'était absolument magique. Ah oui, bah là il n'y a pas photo. Ah oui. Oh, oh, oh. En plus, un petit coup de frais là, ça fait pas de mal. Elle a une ambiance. Oh là là. J'ai pas beaucoup parlé, mais les amis, mais je suis complètement fada de cette route. Oh là là, coup de cœur. Elle avait un cachet. Ah, j'étais déjà en deux. Et juste là, en mode, comme dit, en mode balade avec la moto et tout. Oh là là, c'était un bijou, un vrai bijou. Ah, maintenant je sais pourquoi j'ai mal au tibia. Eh oui. Ah, t'as vu, elle est belle ma moto. En fait, je sais pourquoi j'ai mal au tibia hier. Je crois qu'à un moment donné, je me suis cogné le tibia contre le repose-pied, puisqu'on est sur un repose-pied de type 30 ans, complètement métal, bien robuste. Et t'es plus robuste que mon tibia, hein. Boum, excellent. J'ai bien choisi cette moto. Elle met le smile. Elle est incroyable. Oh. Oh là là, c'est beau. Cette moto. Oh.
Ah, je suis fan. C'est bien plus que validé. Ranger dans son élément naturel. La nature. Ah, je suis en fait le meilleur investissement que j'ai fait cette année. Mouah. I love you. Elle est trop bien. Bon, maintenant, les amis, l'objectif est le même que hier. On se pose et on boit un café. Un bon café. Par là, c'est pas mal. Ta-da ! En vrai, j'ai juste envie de sortir un paddle, le mettre et partir. Bon les amis, c'est pas très original, mais aujourd'hui, je suis retournée au même spot que hier. J'ai complètement kiffé. Le côté apaisant et tout, il était abusé, donc on refait la même chose. Café, sortie moto, quoi de plus ? Même pas besoin du démarreur, mais impeccable. Let's go les amis. Et le soleil qui commence à se coucher, on va avoir une lumière magnifique. J'espère que je l'ai bien mise. Ça y est, je l'ai enfin cette vue. Long.
Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai bien fait d'acheter cette moto. Je peux pas vous expliquer pourquoi ce coup de cœur sur cette moto, sachant qu'en plus, je ne l'ai jamais essayé, donc c'était un achat un peu beaucoup à l'aveugle. Je regrette tellement pas. Oh là là, qu'est-ce que je suis heureuse. Ouais, bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai surkiffé l'affaire. Vous savez que j'adore toujours faire des vidéos, j'adore rouler tout simplement. J'adore vous partager ça. Mais la sortie d'aujourd'hui, elle avait une petite saveur particulière de nouveauté. Aïe, 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 qu'est-ce que ça fait plaisir, plaisir, plaisir. Donc, vous l'aurez compris, les nouvelles vidéos sont à venir avec la 600 XT. Une semaine sur deux, une fois la XT, une fois la MT, une fois la XT, une fois la MT, vous avez compris. Ça permettra de varier les contenus, de varier la conduite, de varier, de tout varier, voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Si vous avez quelque chose à me dire, c'est dans l'espace commentaire que ça se passe. Sur ce, à très vite! Ah tiens d'ailleurs. Oh, il marche!